Attendez, parlons un peu, parlons bien. Parce que depuis tout à l'heure, on parle des pieds. On n'a pas parlé de Gunther, là. On n'a pas parlé de Gunther Steiner. Attendez, attendez, attendez. Je vais couper la musique. Non, je vais pas couper la musique. Je vais juste faire ça. Hop. Parce que sinon, j'ai pas le chat. Si je fais ça, j'ai pas le chat. Gunther Steiner. Est-ce qu'on peut en parler deux secondes Qu'est-ce qui fait brûler Robin Pourquoi ça sent le cramer, là Ça sent le cramer. J'espère que c'est pas dans ma chambre. Bon. Euh... Gunther Steiner. Parlons peu, parlons bien. Abattu ici. Non en vrai, vous êtes vraiment triste pour Gunther. Gunther Steiner n'est plus le team principal de As, et c'est Ayao... Alors, Ayao Komatsu, j'espère que je le dis bien, Komatsu, je sais pas comment on dit exactement, qui le remplace. Donc ça c'est l'ancien ingénieur à l'époque de Romain Grosjean. Il a été ingénieur de Romain Grosjean je crois. Ou oh, c'était Kimi Magnussen. Ah oh, j'ai un doute maintenant. Dans ma tête c'est Romain, mais j'ai un doute. Euh, coup dur pour Drive to Survive. Non en vrai ouais j'avoue. Je pense que le plus gros coup dur, honnêtement, c'est pour Netflix. C'est pour Netflix parce qu'au final, euh, Gunther Steiner, bah, si on est honnête, si on parle un bon français, est-ce que Gunther Steiner était un bon team principal Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Ça va faire 8 ans que A ah, c'est en Formule 1. Il n'y a pas forcément de grosse évolution. Euh, il n'a pas forcément très bien géré non plus. Ces pilotes, que ce soit Romain Grosjean, que ce soit, été, que ce soit été, euh, bah, Mick Schumacher, euh, bah, Kevin Magnussen actuellement, bon, Mazepin, on, on va passer. Ça a toujours été un peu compliqué. Euh... Non, honnêtement, on... moi, j'aimais bien Gunther parce qu'il est drôle et qu'il faisait des bonnes vannes. Mais d'un point de vue perfo, d'un point de vue perfo, euh... voilà quoi. C'est pas terrible, tu vois. Donc, euh, il a quand même fait beaucoup pour aller chercher des sponsors. Oui et non, hein. oui et non au final, parce qu'il a pas non plus, euh, il a pas révolutionné l'équipe hein, en huit ans. Ah s'ils sont arrivés il y a huit ans, ils avaient pas énormément de sponsors. Aujourd'hui, ils en ont quand même un peu plus, c'est vrai. Mais je dirais pas non plus que l'écurie, elle est sable, elle est saine, etc. Hein. Là actuellement, euh... non ils en ont un petit peu plus de sponsors. Hein. Ils en ont un petit peu plus, mais c'est pas suffisant, je pense clairement pas suffisant tu vois donc euh... ouais il y a eu l'histoire de Rich Energy il y a eu l'histoire de... de de Nikita Mazepin avec bah, les financements des... des Russes etc avec la guerre euh... après bon bah il y a eu Romain Grosjean ça s'est mal fini Mick Schumacher ça a mal tourné là cette année c'était pas exceptionnel non plus c'est pas c'est pas fou c'est pas fou, honnêtement. Après, c'est pas de sa faute là aussi. Ah non, c'est clairement pas de sa faute. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pas. Aujourd'hui, en 2024, As, c'est pas une situation stable, tu vois. C'est pas une situation où tu sais que l'équipe elle a un avenir et que ça va se développer et tout. Donc, à un moment, faut bien changer quelqu'un. C'est à un moment, faut bien faire évoluer le truc. Et le, le problème, c'est que Une fois que t'as changé les pilotes, une fois que t'as changé les ingénieurs, une fois que t'as changé quasiment tout, bah, il reste un mec, tu vois. Il restait un mec à changer et du coup bah, c'est Gunther. Rip, hein. rip, rip, rip. On verra ce que ça donne de mettre Komatsu à la place, mais euh, je pense qu'en vrai il est pas mauvais. Je pense qu'il est très intelligent. De toute façon c'était un, un ingénieur donc déjà il est très intelligent. Après est-ce qu'il a la diplomatie et est-ce qu'il a la poigne entre guillemets pour euh, être team principal d'une équipe Ça je sais pas. Ça je suis pas. On n'a pas la preuve tu vois. Jean aussi il a pas de couilles. il donnait 5 ans finalement, ils sont toujours là. Après, Jean, il a pas de couilles, Jean il a pas de couilles Jean il met tout son argent dans ce projet quand même, hein, on rappelle. Hein. J'ai vu une photo de Jean Asla là, et le Jean Hass il a pris un coup de vieux, hein. Il met toute sa thune dans le projet, le pauvre euh, forcément car à un moment il pète un câble. Un ingé en scène principale, c'est pas fou. Ça a des avantages. Ça a des avantages, il connaît tout l'aspect technique, il comprend mieux ce que le pilote va vouloir euh, faire passer comme message. Euh, donc forcément c'est un peu mieux Par contre du coup Un ingé normalement de base il a pas les connaissances de management Il a pas les connaissances de gestion entre guillemets humaine euh, Il a pas les, les connaissances pour gérer la presse non plus Donc faut voir tu vois Faudra voir coucou Mathia Mais Mathia c'était un petit peu différent Ça C'était un petit peu différent en vrai Mathia les gars Mathia en plus euh, il, on l'a acheté au pire moment On l'a acheté euh, chez Ferrari vraiment au pire moment je pense. Donc, euh, je pense surtout que chez As, t'avais personne d'autre actuellement. T'as pas. En fait, qui est disponible aujourd'hui pour prendre la place de Gunther Steiner On aurait pu avoir Simone Resta. LOL euh, Non, bah non, en vrai, euh, Resta s'est barré. Komatsu était entre guillemets le N-1 de, de Steiner. Bon, bah voilà. Hein. Binotto, je pense que Binotto n'aurait pas voulu. Otmar. Hotmar non plus, je pense que Hotmar n'aurait pas voulu de As. Un As, c'est un poids de, un cadeau empoisonné. Hein. Soyons honnêtes. Hein. As, les gars, c'est réellement l'un des pires choix que tu peux faire d'un point de vue sportif. Il n'y a pas de projet, tu n'as pas de développement, tu n'as pas de sous, tu viens pas là pour l'argent. Tu viens là parce que tu n'as pas le choix, tu vois. Tu viens là parce que bah, c'est entre guillemets la, la seule porte d'ouverte. Et au moins, es en F1, t'es là, tu vois, t'es es en Formule 1. Mais... C'est pas fun, tu vois. Tu prends pas le plaisir, je pense. Ferrari, c'est la même. Oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. Être pilote chez Ferrari, c'est vachement la même que être pilote chez As. Ouais, on va dire ça, on va dire ça. Magnussen et Hülkenberg. Haas, ah, c'est pas un cadeau. Ah non, pas du tout. Hein. Il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Il connaît le boulot d'ingénieur, il en a déjà des masses, pas celui de team manager alors qu'il est seul à ce poste. Hum... Moi, je le vois pas comme ça. Hein. Moi, je le vois pas comme un inconvénient le fait que qu'il soit seul à ce poste et qu'il ait pas les les on dit les connaissances les, les capacités quoi je pense qu'honnêtement ça s'apprend et, et ça peut le faire regardez James Wolfe regardez James Wolfe chez Williams alors il n'était pas ingénieur James Wolfe certes mais euh, James Wolfe au final euh, il n'était pas team principal et pourtant bah il s'en sort bien tu vois il s'en sort très très bien chez Williams donc euh, Gunther, c'était un goat non, vraiment pas. Hein. Vraiment, euh, faut être honnête. Hein. Je sais pas c'est quoi les réactions sur le tweet, mais euh, ouais, voilà, tout le monde parle de Netflix. Hein. C'est vraiment tout le monde parle de Netflix parce que voilà, Netflix, tu as donné une carrière. Euh, coup dur pour Netflix. Enfin, euh, je suis désolé, hein, mais les gens qui aimaient Gunther, moi j'en fais partie, on aimait Gunther parce qu'il était drôle. Parce que vas-y, dans les épisodes de Netflix, c'était marrant, tu vois. Mais bon. Euh... Frère, euh, comment on va se faire chier dans Drive to Survive maintenant Ah ouais, c'est ça le truc, tu vois. C'est ça le problème au final. As a régressé depuis 2017 et 2018. Euh, alors, 2016, 2017. 2018 ça allait. 2019 c'est Rich Energy. Ah, 2019 c'était le bordel avec Rich Energy. 2020... Est-ce que c'est pas Mazepine 2020 Je crois que 2020 c'est Mazepine. Non, attends, non, j'ai un doute. Non, 2020, c'est peut-être encore Grosjean. Non, c'est Grosjean. Le... Non, c'est Grosjean. 2020, c'est le crash de Grosjean. 21, c'est schumacher Mazépine. Là, c'est la catastrophe. Les mecs ont pas de voiture, pas de pilote, pas de sponsor. Euh... Mazépine se fait virer. Ils n'ont plus de thunes à cause de la Russie. On prend Schumacher-Magnussen. Euh, la voiture pue la merde. On vire Schumacher pour mettre Hülkenberg. La voiture est toujours pas terrible. Donc, euh... non. Après, pour défendre un peu euh, Steiner... Honnêtement, As, c'est un sketch. C'est un sketch cette équipe. Il n'y a rien qui va. Il hein. n'y a pas de développement, il n'y a pas de sponsor, il n'y a, y a pas de projet, il n'y a pas d'investisseurs qui veulent venir et en même temps, Jean As ne veut pas, je pense, laisser les investisseurs investir. C'est voué à l'échec. Hein. C'est voué à l'échec, honnêtement. Andretti vont les racheter en fait. Bah, c'est un peu le débat du coup. C'est un peu moi le, la question que je me pose. Tu vois, c'est que quel est l'intérêt d'Andretti de venir si on a des équipes comme As qui traînent Premièrement, bah ce serait dommage qu'Andretti fasse le même chemin. Et de deux, bah si Andretti a réellement un projet si solide que ça, pourquoi ne pas mettre Andretti à la place de As Pourquoi tout simplement ne pas racheter l'écurie, tu vois Je sais pas. Je sais pas où ça en est, Andretti, honnêtement, depuis. Je sais pas si ça a évolué depuis, euh, depuis quelques mois. C'est dommage pour Gunther. Bon après, c'est comme tous ceux qui perdent leur taf, hein. c'est dommage, hein. mais bon. S'il perd son taf, c'est qu'il y a une raison hein, à un moment. Donc, euh, As, il va rester en Ascar et la F1, c'est fini. Je, je sais pas. Je sais pas, faudra surveiller, faudra voir. Je sais pas s'il y a eu une interview un peu de, de Jean As. Jean As, euh, il a pas fait d'interview, le, le collègue Ah, si, tiens. J'aimerais commencer par remercier Gunter Steiner pour tout son hard work sur la dernière décade. Je well vous souhaite bien pour le futur. Moving forward as an organization, it was clear we need to improve our track performances. In appointing de team principal, nous fundamentally have engineering at the heart of our management. Alors, oui, mais pas sûr que ça passe comme ça. Regardez, frère! Enfin, je suis désolé, mais Gene as ceux qui voient à quoi Gene as ressemble, moi, j'ai l'image de jean Hass en 2016 qui arrive en Formule 1. jean Haas, il ressemblait pas à ça. Hein. jean Hass en 2016, euh, c'était pas le, le même bonhomme. Bon, après, c'était il y a 10 ans. Hein, je, tout le monde vieillit. Hein, je suis d'accord. Hein. Moi, je me souviens de ce jean Hass, hein. Le jean Hass euh, ça rigolait pas et tout. Ah, frère, hein, c'était, euh, c'était la mafia. Hein. C'était vraiment la mafia américaine qui arrivait. Hein. Là, euh, oh putain. 10 ans de souffrance, quoi. 10, 10 ans de souffrance, le pauvre. Donc, euh, il a pris cher. Hein. Bon, après, il vieillit comme tout le monde. Enfin, sorry, notre sorry. Quand t'es une personne âgée, ça se voit plus vite, entre guillemets. Mais bon, pour ceux qui voulaient du coup la traduction, euh, Jean As, donc le communiqué, c'est Je remercie Gunter Steiner pour tout son travail de, durant les 10 dernières années. Et je lui souhaite tout le meilleur pour le futur. Euh, en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, il était clair que pour nous, il fallait améliorer notre performance sur la piste en mettant un ingénieur donc euh, IO du coup en tant que team principal, il est clair qu'on a, euh, a fondamentalement comment dire, on a fondamentalement un aspect performance entre guillemets, un aspect ingénieur au cœur du management. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'intérêt d'avoir un ingénieur en tant que team principal, le mec comprend les besoins de pilote, le mec il va comprendre l'analyse du pilote, euh, il va voir ce qui se passe avec la voiture. Donc ça peut aider, ça peut être un point positif en vrai de vrai prend la relève de Glickenhaus ah, un peu hein Same vibe hein Gunther Steiner et d'une as disagree on the team's direction Steiner wanted more investment as meanwhile does not believe better infrastructure is necessary quoi attendez 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 formula uno mes petits italiens attendez mes petits italiens qu'est-ce que c'est que ça ah mais c'est une blague si c'est fait virer pour ça c'est très drôle en vrai de vrai enfin non c'est pas drôle mais euh... division sur le futur après avoir terminé le dernier du classement, les investissements et les infrastructures limitées sont devenus un sujet de discussion incontournable. Selon certaines informations, cela était l'élément clé du départ de Gunther Steiner. Comme l'a révélé The Steiner souhaitait un investissement supplémentaire dans l'équipe au cours des prochaines années. Cependant, Gene Haas ne partageait pas cet avis. Au lieu de cela, le propriétaire américain estime que l'équipe n'est pas performante. Pour Gene Haas, la priorité est de devenir plus efficace plutôt que d'investir dans des nouvelles infrastructures et installations. Alors... Ayant un bac plus 8 F1 manager, si je peux me permettre, c'est important les infrastructures. C'est important d'avoir les installations et le matos nécessaire pour faire une bonne voiture. T'as beau être performant sur la piste, t'as beau être performant dans les stands, si tu peux pas développer, si tu peux pas investir et recruter du meilleur personnel, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun monde où ton équipe évolue. Et surtout que ça fait bientôt 10 ans qu'ils n'ont pas évolué, donc... Euh par conséquent, il semble que As-F1 continuera à fonctionner selon son modèle historique des dépenses minimales. Bien que cela ait produit un certain succès en 2016 et 2018, cela a été un facteur limitant ces dernières années. Ah oui, donc il s'est fait virer, quoi. Hein. C'est vraiment fait... Euh... Il s'est vraiment fait virer, hein, littéralement. Hein, C'est... Aïe, 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 aïe. Terrible, terrible, terrible. Steiner, il n'était pas ingénieur de base. Ouais, oh, mais il y a longtemps. Oui, oh, mais il y a très, très, très longtemps. Aujourd'hui, il n'est plus ingénieur, Steiner. Aujourd'hui, il était team principal et businessman, c'est tout. C'est triste. Wow, c'est pas le premier, hein, les gars. Hein. C'est pas le premier, c'est pas le dernier à se faire virer pour, euh, pour, son, pour son poste, quoi. Ça arrive tout le temps. Hein. Il a même pas été au bout de ses études d'ingé. Steiner Ah ouais Ok. Je savais pas du tout. En vrai. Je pensais qu'il avait. Des... Il revit la même chose que chez Jaguar, ça doit être terrible. Après, bah des fois, il y a des, y a des destins comme ça, malheureusement, où ça va pas. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas, les gars. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça, hein. T'as un bac plus 2 F1 Manager. Dose, dose, dose. J'ai un bac plus 8. Vous vous, vous soucouetez trop sur F1 Manager. C'est incroyable. Hormis le Qatar hier soir, je suis incroyable sur F1 Manager. Du coup, c'est quand les dates pour la tournée de One Man Show de Steiner. Putain, mais j'avais acheté un t-shirt Gunther Steiner, moi. J'ai mon t-shirt Gunther Steiner et tout. Là, je suis abattu, là. Sérieux, c'est triste. Il a abandonné ses études et a rejoint une équipe de rallye belge dans les années 80. Comment tu sais tout ça, Swim Comment t'es aussi bien renseigné sur la vie de, de Gunther c'est incroyable, ça, en vrai. T'es es solide, là. Hein. T'es solide, t'es solide. Le t-shirt est devenu vintage. Un petit peu, ouais. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Aïe, 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 aïe. Bah, alors, du coup, la question que je me pose... Ouais, voilà, c'est bah exactement ça. Si Jean Haas veut pas investir en Formule 1... Pourquoi pas, hein, je comprends. Mais euh, si Jean Haas veut pas investir en Formule 1, pourquoi rester Pourquoi ne pas vendre à Andretti, du coup parce qu'en fait, bah si tu vends, tu fais une plus-value, tu te fais de la thune, tu lâches le bébé. Et voilà. Parce que là, honnêtement, je comprends pas le. Je comprends pas le principe de Has de vouloir ne pas dépenser, ne pas investir, ne pas se développer, mais rester en Formule 1. C'est nul. C'est. Tu lâches le bébé ou. Oh. Ouais, tu lâches le bébé ou oh quoi, tu vois Vu l'état d'Aston, t'es pas... Oh, euh, tranquille, je cru que c'était sur la vraie équipe Aston, tranquille, sur mon Aston, elle est très bien, c'est Full Motorsport, ah non, mais c'est pour dire on est là, non mais attendez, oh, non, non, tu dis pas, c'est pas pour dire on est là, frère, excuse-moi, mais non, il y a des millions de dollars en jeu, il y a forcément une autre raison, mais je vois pas c'est laquelle, c'est logique, de quoi c'est logique, en vrai, je me dis la même chose, il y a moyen que A soit remplacé par Andretti, en vrai, ce serait pas mal, hein, ce serait vraiment pas plus mal au final. Merci Max. Merci pour tous les récepts depuis tout à l'heure. Merci beaucoup les gars. L'amour du sport. Wow, Qu'est-ce qu'il faut pas lire Qu'est-ce qu'il faut pas lire L'amour du sport. Eh les gars, on parle de As. Hein. As, on va ressortir les classements. Non mais attendez. As, classement. On va ressortir les classements de As. On va voir si c'est l'amour du sport. As F1 Team. Alors, en Formule 1, ils ont terminé 8e, 8e, 5e, 9e, 9e, 10e, 8e, 10e. Frère. Ils ont fini deux fois dernier. Ils ont fini trois fois dans les deux derniers. Et ils ont fini une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. En huit ans, ils ont fini sept fois dans les trois pires équipes de la grille. Ah, je suis désolé. À un moment, euh, forcément, à un moment, c'est pas l'amour du sport. C'est juste, tu ne sais pas gérer ton truc. C'est l'amour de l'échec. C'est l'amour de la, de, la, de la faillite. Il n'y a pas d'autre mot. Tu peux être nul dans ton sport et regarde -toi les Regarde-toi sur le jeu de Formule Allez, hop, toi tu prends tes 10 minutes. En plus, moi j'ai lu ça d'un premier degré, je me suis dit, c'est une vraie analyse et tout. Allez, hop, toi tu prends tes 10 minutes. Non, mais, moi je suis désolé, mais jeu de Formule 1, ça ne me coûte pas 10 millions euh, ou 100 millions par an. Ça ne me, ça me coûte pas 300 millions euh, sur 2 ans ou je sais pas quoi. Moi, mais jeu de Formule 1, vas-y, tranquille, tu vois. En 2016, il y avait 11 écuries. En 2016, il y avait 11 écuries Attends, 2016, Ferrari, Red Bull, McLaren, Mercedes. Euh, Lotus. Non, c'était Renault en 2016. Renault. Sauber. Euh, ouh, il y avait 11 écuries. Caterham, Marosi. Ah, il avait... Attends, il y avait Caterham en 2016. Non, il n'y avait pas de Caterham en 2016. Attends. As... Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ouais. Il y avait Manor. Ah bah oui, il y avait Manor. Il y avait Manor, pardon. Oui, non, c'est Manor, je suis trop con. Oui, il y avait Manor. Mais, euh... Mais ouais, non, c'est terrifiant. 29 points et 47, 93. Après, la saison 2018, c'est une masterclass. Hein. La saison 2018 de As, c'est une masterclass, il faut le dire haut et fort. Hein. 3 points en 2020, 0 en 2021, 37 en 2022. Ah, ils ont fait moins bien que l'année dernière. En ouais, ils ont fait dernier, je suis con, moi, bah ouais. 12 points en même temps cette année pour mettre des points c'était la galère ah oh. oh ouais c'est chaud C'est leur troisième Pire saison à AS 2023 normal qu'ils soient virés en vrai à un moment hein. à un moment euh, Ils avaient une Ferrari bis en 2018 Bah ouais mais c'était trop bien joué Honnêtement c'était trop bien joué de leur part hein. C'était vraiment, st vraiment stonks de fou hein. L'an passé ils avaient Mick Non mais l'an dernier euh... Merde l'an dernier c'est surtout Qu'il y avait beaucoup plus de points à mettre euh, tu vois, Magnussen, 5ème à Bahreïn. Donc déjà 10 points. Magnussen, première course de l'année, il avait mis autant de points que As cette année. Voilà, déjà première chose. Ensuite, oui, oui bon, alors il y avait Mick. Alors, qui m'a dit il y avait Mick Excusez-moi, qui m'a dit il y avait Mick dans le chat là Mick, euh, il a mis deux fois des points et hein. a fait 8ème et 6ème sur deux courses. Après, il n'y a plus rien. Hein. Je suis désolé. Hein. En 5 ans, il y a eu 3 sponsors titres. Aussi, ouais. Puis il faut voir la gueule des sponsors titres, hein. Rich Energy, Rich Energy, Ural Kali, Monogramme. Non, non, en vrai, c'est bien, mais euh, Ural Kali et Rich Energy, putain, la gueule. C'est terrifiant, ça, par contre, en vrai. Hein. En février fait, 2014, c'était sponsor As, C'était un partenaire. C'était un partenaire. C'est pas la même chose, mais oui. Il y, avait, euh, il y avait un petit lien technique entre les deux. Donc, bon, on verra. On verra, on verra ce que ça va donner pour le petit, euh, le petit Gunther. Imaginez que Gunther est rebondi dans une autre équipe. Attends, qui a besoin d'un team principal en ce moment Qui a besoin de... Ferrari, ils ont Red Bull, ils Mercedes, non. Alpine, non. Euh... Williams, non. Euh... Alpine, bah Alpine, ils ont Bruno. Alpine, perse, ils ont pas besoin en vrai. Aston, Mike Krack. Non, Mike Krack, je pense qu'il est bien. Hein. Mike Krack, je pense qu'en vrai, il est pas prêt de bouger en vrai, de vrai. Alfa Romeo, ils ont aussi, ça bouge pas pour l'instant en attendant Sauber. Euh, en attendant, euh, Audi. Euh, c'est pas de l'intérim Bruno. Non, je crois pas. Hein. Ah ouais. Non, Bruno Famin il va rester. Attendez, euh, Comment écris, Bruno. Farmin, Comment t'écris Bruno? C'est Famin, Farman? Comment t'écris? C'est Bruno Famin? Je sais jamais c'est quoi. Euh... Oui voilà. Alors Bruno Farman. Euh... Il sur le Mindset in Culture Alpine Base. Il n'est pas Working, blah, blah, blah. Pour moi, il va rester. Hein. Directeur par intérim. Ah non, il va pas rester. Euh, directeur par intérim a indiqué que Renault poursuivra ses discussions avec Andretti et General Motorsport concernant... Ah ouais, vous avez raison. Putain, c'est pas... Euh... Putain, je pensais qu'il allait rester. Moi, Bruno Fama, ouais, je me suis dit, let's go. Il va arrondir, je suis wake tu l'auras lu ici en premier. C'est un scoop ou. Ça se passe comment là Yo à tous ceux qui arrivent, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Gunther chez Alpine. Non, 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 non. pas Gunther chez Alpine, hein. avec tout le respect. Ils ont déjà essayé de nous refiler Binotto. Laissez Bruno Famin, hein. il est très très bien. Aucune raison de mettre quelqu'un d'autre là. Pas besoin d'aller chercher je sais pas qui là. Lilian a quitté le chat. Aïe aïe ah Lilian, bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Il va rester en vrai, ça sent. Bah, surtout qu'il fait un bon taf. Il a, il a un bon passé, frère. Il a un bon background. Il est bien placé pour, euh, pour gérer Alpine, je pense, moi, Bruno Fama, au final. On refera un peu le, le point là, bientôt, dans quelques semaines. De toute façon, la F1 va reprendre vite. Hein. La F1 va reprendre vite, c'est dans moins... Non, c'est dans un mois. Les premières livrées, c'est dans moins d'un mois. Putain, déjà.